Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous le match entre le FC Novè Sport et la formation de Montel, le néo-promu dans cette catégorie de jeu. Les Montaisans aujourd'hui qui viennent affronter le FC Novè Sport avec de belles ondes vers le ballon, Bardi-Laidini et puis également Bildago. Il semblerait effectivement que ce soit Bildago qui va s'en charger. Il avait démarré dans le couloir là, Laidini finalement. Ce sera un coup franc et un ballon dans les 16 mètres adverses alors qu'on joue la troisième minute de cette rencontre. Le mur a été placé par l'arbitre. Dago qui peut s'élancer, qui va quand même servir Aydini. Aydini, le débordement, la frappe. Oh, c'est pas passé loin. Très très bonne occasion là pour l'équipe Veuvezanne. Et très très bien joué là cette association entre Aydini et Bildago. Et finalement ce ballon qui passe à côté. Ce ballon contrôlé par les Veuvezans, on va jouer en relais, c'est très bien vu là, ce ballon bien avant sur Gomis qui va accélérer, tenter de prendre de vitesse son adversaire, très bonne mise en échec là de la part d'Anthony Cruz. Mermi, on réclame un pénalty, à mon avis il n'y a pas grand chose hein, dans ce duel, en tous les cas pas matière à siffler pénalty. Avec ce ballon aérien, et quelle imposition là, de la part de Lionel Zouma. Ballon mis en avant sur Mebrak, c'est très bien joué là, de la part des joueurs de Christophe Cachini. Mebrak, le centre, second poteau, la tête de Stefano Potopapa. Et l'ouverture de la marque. Oh, ce que c'est bien fait, cette accélération dans le jeu. Des Veuvezans qui prennent l'avantage. Il est souvent décisif, Stefano Potopapa, lorsque son équipe marque à domicile, notamment face à Échalon, où il avait offert le but de la victoire à son équipe. Là, il ouvre la marque très rapidement hein, dans le match. Un peu plus de 8 minutes de jeu. Et c'est 1 pour Novè Sport, 0 pour Montel. Ce coup de coin, on n'est pas encore au quart d'heure de jeu hein, dans cette rencontre. Et c'est Stéphane Rauti qui s'en charge. Ballon mis au second poteau, déviation, tentative de dégagement. Et ce ballon repris par Kevin De Riva. Et qui passe tellement proche de la lucarne. Qu'elle en tremble encore. Quelle occasion pour Kevin De Riva. On l'a dit hein, avant ce rendez-vous, c'est l'homme en forme du moment avec ses 5 réussites depuis le début de la saison. Meilleur buteur de son équipe. Avec ce ballon sur le pied de Lionel Zouma. Dieu qu'il est important défensivement. Le numéro 6 Veuvezan, ça repart rapidement avec Kassongo. La passe sur Mebrak. Le contrôle, la passe immédiate pour Protopapa. Le tir, un ballon qui revient sur le pied de Gomis. Et ce tir de Gomis qui passe par-dessus la transversale. Ah, bonne occasion hein, de marquer le deuxième but là pour Novè Sport. La relance pour Oskan. On joue la 20e minute de cette première mi-temps. Et ce score en surimpression de 1-0. Ballon mis en profondeur. C'est très très bien joué là. Ce cuir sur Kassongo. Le crochet de Kassongo. Oh non, il n'y a rien. Oh non, il n'y a rien. Il a plongé. Le joueur de Vevey, il est averti logiquement là sur ce duel. On n'a pas le sentiment qu'il y a le contact. Est-ce qu'il y a eu accrochage de maillot? C'est ce que semble réclamer Jesse Moulenda Kassongo. L'arbitre, lui, en a décidé autrement en mettant le carton jaune au joueur vaudois. Avec le contrôle des jaunes et bleus, ce ballon mis en arrière sur Kassongo. Kassongo, Protopapa, le relais, c'est très bien joué là avec cette récupération de Moulenda Kassongo. Le crochet, c'est bien joué, le tir. Oh, ça passe dans le petit filet, quelle occasion. Ouais, très bonne opportunité, là, encore une fois, de la part des joueurs Veuvezans qui se montrent dangereux, hein, qui sont dominateurs. Dans cette première période, il y a quand même eu l'action de Kevin De Riva, la balle du 1 partout, mais là, c'était extrêmement dangereux. Il s'en est fallu de très très peu, hein, qu'on assiste à la seconde réussite des joueurs Veuvezans. Kassongo au duel, Aydini qui peut finalement dégager, déviation de Gomis, Protopapa, il a un contre favorable et il remet sur Gomis, on réclame l'hors-jeu, la sortie du portier Safiotti, il est devancé par Gomis qui attend un petit peu trop longtemps pour transmettre ce ballon à Protopapa qui le réclamait et transmis pas assez fort pour permettre aux joueurs et buteurs Veuvezan d'en faire le meilleur usage. Pour un gros quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Et Rauti qui cherche des solutions. Il va s'appuyer sur son coéquipier Aboagier avec De Riva. De Riva Aboagier avec le tir finalement de Carlos Alberto da Graça Oliveira. Un ballon qui passe par-dessus le but. Qui ne vient pas inquiéter Cédric Zimmermann. Hein, qui n'a pas eu d'intervention majeure hein, en ce qui le concerne. Les deux ballons adressés dans sa direction n'étaient pas cadrés. Cette remise en jeu d'Aydini, il va chercher loin devant, il va trouver Gomis, il est contré, Sulicic qui peut accélérer, c'est bien joué le débordement
de Suljicic qui va rentrer dans les 16 mètres. Le crochet, c'est très bien vu. La fin de tir. Gomis en bonne position qui pousse trop son ballon. Et c'est Steve Safiotti qui peut s'en emparer. Oh, encore une fois, c'était bien joué. Il y a une belle rapidité hein, dans le jeu. Veuvezan avec ce cuir dégagé. L'action qui se poursuit avec Thibaut Constantin qui va tenter le débordement. Qu'est-ce que c'est propre, Massivi, Kevin Simba là, qui sort ce ballon. Quelle intervention défensive. Simba, la lutte avec Oliveira. C'est Oliveira qui a le dernier mot. Ballon sur Rauti qui met devant lui. Le décalage dans le couloir avec le centre d'Oliveira. Ballon qui passe largement à côté du but. Il s'est manqué, il a loupé son geste. Le numéro 11, Montezan. Le dégagement pour le portier de Zimmermann. Sans doute un des derniers hein, de cette première période. On est depuis une minute maintenant dans le temps additionnel. Le moment choisi sur ce dégagement par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire. 1-0 pour Veuvesport. Logique ce résultat au vu de cette première mi-temps contrôlée par les hommes de Christophe Kachili. Et ce but marqué par Stefano Protopapa. La petite tape amicale de Zuma à Dago là, montre la détermination, la volonté et surtout le travail qui a été fait dans cette première période. Avant de nous retrouver pour les meilleurs moments de la deuxième, eh bien on va entendre un homme qui lui prend sa retraite footballistique en tous les cas dans ce niveau de jeu. Eh bien c'est Mattia Lovato, le retraité du côté Veuvezan. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, c'est vrai que j'ai effectué toutes mes classes à Lausanne Sport. Et après Lausanne Sport à Veuvez, donc... C'est la fin d'une belle histoire qui se termine aujourd'hui et je voulais remercier tout le monde et voilà, on tourne une page et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir tout prochainement. Quel est un peu le parcours quand même depuis le début? Vous avez commencé où le football? J'ai commencé le football à Lausanne Sport avec les tout jeunes. Je suis arrivé jusqu'en moins de 21 et tout de suite après je suis venu ici à Vevey et depuis 2014 voilà, j'ai eu la chance de connaître de très beaux moments, de belles émotions, de connaître des gens fantastiques et voilà. Voilà aujourd'hui où on en est. Maintenant vous avez un souvenir là dans la haute carrière, il y en a sûrement beaucoup les souvenirs, mais un souvenir particulier que vous avez à cœur de raconter. Je crois que le plus beau souvenir qui reste en tête de nous tous, tous les joueurs, tous les supporters et le président, c'est le jour de la promotion. On se rappellera ici qu'il y avait énormément de monde, c'était un jour très important. On a eu la chance de pouvoir faire l'ascension de deuxième ligue inter à première ligue et aujourd'hui voilà, il ne reste que trois joueurs, Stefano Protopapa, Bardil et moi-même qui étions dans l'équipe. Et voilà, c'est une très grande fierté, un très grand honneur d'avoir pu participer à cette belle aventure. Maintenant, votre suite de votre carrière, c'est certainement encore dans le football ou bien ce n'est plus dans le football? Alors déjà, on va tourner la page du sportif en tant qu'actif et on ne sait jamais la suite, qu'est-ce qu'elle va nous réserver, mais... Voilà, pour le moment, profiter un petit peu de la famille, de faire d'autres activités, de changer un petit peu la tête. Après tant d'années, c'est le moment de souffler un petit peu. Est-ce qu'il y aurait un petit mot à rajouter, là, sur l'épopée de Veuvezan? Je crois qu'une fois qu'on devient Veuvezan, on reste Veuvezan et à jamais Veuvezan. Mattia Lovato qui a vécu de grands moments avec Veuvesport. On se rappelle de cette promotion face à Plon-les-Ouates et quelques images d'émotion qu'on a revécues avec la promotion des Veuvezans et puis son but face à l'équipe de Guin lors d'un mémorable 3 de dégagement pour Safiotti. Un ballon dans l'axe contrôlé par Oliveira qui va décaler. C'est bien joué ce ballon sur Constantin qui peut s'approcher avec le tir et l'intervention de Cédric Zimmermann. 6 minutes de jeu et Montec qui met rapidement hein, quand même le nez à la fenêtre pour tenter de venir chercher l'égalisation. On l'a dit, les Montezans invaincus hein, depuis le début de ce championnat. 4 matchs nuls, 2 victoires pour l'équipe de Cédric Stram. Ce dégagement de la 9e minute, Zimmermann pour la formation vaudoise. Suljicic de la tête, ballon récupéré maintenant par Gomis. Gomis, il contrôle ce ballon, pas de faute. L'arbitre qui laisse jouer, Tafai qui peut relancer, ballon dans la profondeur, c'est très bien joué. Kevin De Riva qui va rentrer dans les 16 mètres. Oh, l'intervention de Lionel Zuma. Quelle intervention défensive encore une fois. On nous avait demandé hein, de montrer de belles interventions. Celle-ci, elle fait partie
des plus belles. Quelle autorité, quelle prise de risque aussi, parce qu'on peut commettre la faute. Mais elle est parfaite, cette intervention de Zouma. Montezan serait bien inspiré de profiter de cette balle arrêtée pour recoller au score dans ce match. Ballon mis dans l'axe, repoussé par la défense. La remise de la tête d'Oliveira. Le décalage, c'est bien joué. Oh, le ballon qui passe sous le ventre de Cédric Zimmermann. Et on n'est pas passé loin cette fois du 1 partout. Le tir d'Oliveira sur la remise de Thibaut Constantin. Quelle jolie vista. Il s'en est vraiment fallu très très peu. Les dieux sont avec Cédric Zimmermann. Les joueurs valaisans qui sont revenus sur le terrain avec d'autres ambitions, hein, celle de recoller au score. Attention avec le contrôle de ce ballon par Dago qui s'est joué de son opposant. Le centre et belle anticipation de Steve Saffiotti qui s'empare de ce ballon. Oui, on l'a dit, Montet première mi-temps, Montet deuxième mi-temps alors qu'elle est vieille que de 11 minutes, ça n'a rien à voir. Hein, vraiment, il y a une implication dans le jeu, une prise de responsabilité, une mise en danger de l'adversaire. Aydini qui laisse à côté de lui sur Sulicic qui glisse, ballon qui va rester la propriété des Montezans qui repartent à l'offensive avec Oliveira. Il a le soutien de Riva à côté de lui, Oliveira qui s'avance, le tir et un ballon qui passe à côté avec le contact avec le capitaine Stevo Gazic sur cette action, mais un dégagement pour le portier de Vevey Sport, alors que cette deuxième mi-temps est vieille d'un peu plus de 13 minutes. À présent, Bildago, Dieu qu'il est important dans le jeu veveysan, encore une fois avec cette percée sur son côté là. Dago encore et toujours, Dago qui conserve ce ballon. Est-ce qu'il va le lâcher? Oui, finalement avec Sulicic dans le coin des 16, est-ce qu'il va tenter le tir? En tout cas, il se met en position. Ah, il dévisse complètement sa frappe. C'était bien fait. Le contrôle de ce ballon par Rauti. Il est contré, Rauti. Le gros travail de récupération de Tsimba. Avec Sulicic qui peut repartir. Il y a bon coup à jouer pour les Veveysans. Gomis sur son aile gauche. Gomis qui accélère. Gomis qui conserve ce ballon. Avec le centre de Gomis. Et un ballon qui est repoussé par Saffiotti. Qui va mettre en corner. Pas de prise de risque. Pas très content hein, de sa défense et de ses milieux de terrain là. Il entend un retour de ses joueurs dans ce genre de situation. Ce coup de coin de la 28e minute en faveur de l'équipe de Christophe Cachini. La reprise de la tête de Zouma. Et ça va passer par-dessus le but. Il s'est fait mal, Lionel Zouma, sur cette action. Sans doute en retour. L'ancien joueur de l'Olympique de Genève là, qui va s'emparer de ce ballon. Il attend le soutien de Gomis. Le voilà, Gomis. Le centre de Gomis, second poteau, ballon dégagé par la défense, un cuir ouais, qu'on ne parvient pas à sortir avec la frappe de Stevo Gazic. Et un ballon qui passe 2 mètres hein, sur la gauche du but défendu par le portier Steve Saffiotti. Cette remise en jeu pour Bildago, très très bonne anticipation, cette récupération du ballon passé à bras avec la remise maintenant sur Ben Kayser qui va parvenir à se jouer du défenseur. Kayser, le tir, c'est sauvé par Zimmermann avec l'intervention de Lionel Zouma. Oh là là, il est intraitable. Le défenseur central de Vevey devant Kevin de Riva et Dieu qu'il est dangereux cet homme. On l'a dit, 5 buts depuis le début du championnat, mais il en a fait des dégâts dans les défenses. Et aujourd'hui, face à Lionel Zouma, il se heurte à plus fort que lui. En tous les cas, lorsqu'il faut faire le dernier geste avec un ballon repoussé par l'arrière-garde Veveysane. Ce ballon, est-ce qu'il va rester la propriété des joueurs valaisans? Non, ça repart avec Gabrielet. Il a du champ, Gabrielet. Il va mettre ce ballon dans le couloir sur Sulicic. Ah, et Sulicic en position de hors-jeu au départ du ballon. Ça va permettre à Montet de repartir, mais il y a gros danger. Hein. Très belle deuxième mi-temps de Montet qui s'est montré dangereux, qui ne parvient pas à trouver la voie royale et qui repart tout de même avec Constantin. Et ce ballon qui est dégagé devant le nez là et qui va être intercepté par Mermi qui peut repartir. Couloir gauche, il a du monde devant. Ce cuir dans le rond central, on va le remettre derrière avec une ouverture. C'est très bien joué sur Sulicic en excellente position. Sulicic, alors il est 16 mètres, le crochet c'est superbe. L'intervention salvatrice de Steve Saffiotti. Cette superbe frappe de Sulicic qui s'était joué du défenseur. Quel arrêt miracle pour Steve Saffiotti, le portier montaisan là, qui nous gratifie d'une parade de grande classe. Bien sûr, Vevey Sport tremble hein, dans ce genre de situation avec ce coup de coin de Tafaille. Avec un cuir mis dans l'axe du terrain, la reprise de la tête. Et ce ballon qui va passer à côté, c'était bien tenté. Ça a heurté la base du poteau, hein, Ben Kayser. Depuis son entrée sur le terrain, il a fait posé pas mal de difficultés à la défense veveysane et qui va pouvoir se dégager à moins de 2 minutes hein, du terme
de cette rencontre. Avec Stéphane Rauti, le centre de Rauti, ce ballon dégagé par la tour de contrôle. Zouma avec la remise de la tête de Pinto. Constantin, la passe de Constantin, joue en relais de Rival. Intervention parfaite. Encore une fois de Bildago, la défense Vevesane. Irréprochable dans ce match aujourd'hui, une équipe de Vevey Sport qui est en train d'infliger sa première défaite de la saison à une excellente équipe de Monté. En tous les cas, elle a montré un très très beau visage sur cette seconde période. Ballon dégagé par Zouma. Elle n'a peut-être pas dit son dernier mot parce qu'on est rentré dans le temps additionnel depuis une poignée de secondes. Et que l'équipe de Cédric Stram a encore un coup à jouer avec ce ballon mis dans l'axe. Récupération et la faute hein, sur le joueur valaisan. Ce coup franc de Dago. La meilleure des défenses, c'est l'attaque, c'est bien connu. Sulicic. Sulicic ouais, qui a tenté le crochet. Ballon qui va quand même arriver dans les pieds de Gomis. Gomis en position de tir. Le ballon est contré. Il va être récupéré par Stevo Gazic qui va devancer le portier avec le centre. La reprise de Gomis. C'est à côté. Il y avait faute. Il y avait coup de sifflet de l'arbitre là. Dans la précipitation, on n'en a pas entendu le coup de sifflet du directeur de jeu. Ce cuir qui est remis en avant par les Montaisans. Zouma de la tête. Aydini à la lutte avec Constantin. C'est Aydini qui a eu le dernier mot. Qui est monté très très haut prendre ce ballon. Cédric Zimmermann pour un des derniers dégagements de la partie. Il n'aura même pas besoin de dégager. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Défaite infligée à Monté par le FC Vevey Sport. Sur cette marque de 1-0, héros de cette partie, c'est Stefano Protopapa qui a encore une fois été décisif pour sa formation. Une victoire importante pour Vevey, on l'a dit, dans la course au final de promotion en Promotion League. Et on a eu beaucoup de plaisir vraiment à suivre ce match. Avant de nous quitter, bien évidemment, on va avoir droit à quelques réactions sur ce succès des hommes de Christophe Cachilli. Bon, on fait un bon match, enfin une première mi-temps moyenne, enfin une très bonne deuxième mi-temps. Puis bon, ils ont une action, ils marquent, et nous on a 3-4 actions et on marque pas. On n'est pas assez réaliste. Et... Qu'est-ce que vous avez dit, l'entraîneur ? Parce que c'est la troisième fois qu'ils gagnent 1-0 ici, c'est toujours difficile. Défensivement, ils sont solides, Vevey. Ouais, ils sont solides. On savait que derrière c'était grand, puis qu'il fallait passer sur les côtés. En deuxième mi-temps, on les a mis en difficulté, mais voilà, c'est le foot, on fait un bon match, mais on part sans points. Vous avez quand même une bonne équipe là, qui joue bien au foot. Vous voyez l'avenir comment ? Disons qu'on est, par rapport au début de saison, on est mal payé par rapport aux points, mais à part le match contre Terre Sainte, on ne fait pas un très bon match. Dans le jeu, on fait des bons matchs, mais avec des matchs nuls, on n'avance pas très vite. Ça dépend comment on regarde le match. D'un point de vue du jeu, c'est clair qu'on essaye de produire du jeu, mais à la fin, ça ne nous rapporte pas de points aujourd'hui. Donc, il y a un bon équilibre à trouver entre le jeu, la solidité et la percussion devant. Qu'est-ce que vous leur avez dit avant ce match ? Parce que défensivement, Vevey, on sait que c'est solide. Hein. Ils ont pris très peu de buts. Quand ils perdent 1-0 à part un match, ils gagnent 1-0. C'est le troisième match ici qu'ils gagnent 1-0. Qu'est-ce que vous leur avez dit avant ce match ? On savait qu'ils ont des grosses ambitions et puis que chez eux c'était très très solide, donc on manquait beaucoup de... On a vraiment insisté sur le fait de la concentration, les coups de pied arrêtés, ces choses-là, mais sans pour autant penser trop à l'adversaire parce qu'il faut qu'on se concentre avant tout sur nous dans ce niveau-là. Voilà les ambitions là, du club, c'est carrément le maintien quand même en Première Ligue, vous avez les moyens de rester en Première Ligue. Alors, on est qu'au début. On est qu'au début, il reste beaucoup de matchs. On a fait un départ intéressant. Maintenant, avec des matchs nuls, on en a fait 4, on n'avance pas beaucoup. Donc ça va être vraiment une saison assez compliquée pour nous, il faut le dire, par rapport à la relégation. On surveille cette barre, elle n'est pas loin. Donc les équipes, tout est très proche. Nous, on veut vraiment se sauver pour la suite. On sait qu'en Première Ligue, c'est difficile hein, de trouver des joueurs par le Chablais. Vous trouvez où les joueurs exactement ? Parce que c'est pas évident. Hein. On va ici à Vevey non, aussi. Disons qu'on est trois clubs assez proches entre Martigny, Monté et Vevey. Donc, il n'y a pas un gros réservoir, on va dire. Mais chez nous, on essaye d'avoir les joueurs qui habitent la région, qui ont fait les juniors chez nous. Vraiment, on ne va pas chercher trop loin parce qu'on veut faire régional. L'analyse, il est forcément positif parce qu'au final, malgré tout, c'est 3 points de plus au compteur. On reste invaincu encore une fois à domicile, sans prendre de but. Donc ça, c'est plutôt la satisfaction. Après, c'est vrai que dans le jeu, on a de quoi, je pense, nourrir quelques regrets parce qu'on a fait une très belle entame de match. On marque, je crois, dès la 8e minute. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Mais après une bonne, très bonne même plutôt première demi-heure, on a commencé à plancher. On a commencé à plancher après la demi-heure. Et puis la deuxième mi-temps, j'ai senti l'équipe qui tenait à un fil. Là où je suis content, c'est que je pense qu'il y a quelques temps, ce match-là, peut-être qu'on aurait fait un match nul, on se serait pris un but. Là, on a tenu bon. C'était pas facile. Fallait pas être cardiaque dans les tribunes parce que
Monté, il faut le dire, a joué une très belle partie. Mais je retiens vraiment les 3 points cet après-midi. Ouais, puis on voit toujours cette retenue, ça vient de quoi? Ça provient de quoi exactement? Le plus important dans le football, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Mais c'est vrai que, je disais, on a quelques regrets, oui, sur ce match-là. On en a parlé un petit peu avec le coach. C'est vrai que je pense qu'on aurait pu faire le break un peu plus rapidement dans le match. Or, c'est dû à quoi? Je vais laisser le soin au coach d'analyser ça et puis de trouver des solutions pour que, ben, voilà, on soit un peu plus prolifique dans nos offensives pour les prochains matchs. Mais à relever encore l'excellent arrêt là de, c'était le 1 sans Zimmermann. Hein, il est là pour ça. Il me dira la même chose. Il est là pour ça. Mais franchement, le réflexe est extraordinaire. Zimmermann, si on voulait, on pourrait parler de lui sur chacune des rencontres parce qu'à chaque fois, il est décisif. Soit il nous permet de maintenir un score, soit il nous permet de ne pas couler, comme c'était le cas la semaine dernière à Meyrin, où lorsqu'on était mené à 0, ben, il a sorti 2 parades exceptionnelles. Là, oui, encore aujourd'hui, il est à mettre à son natif un superbe match, toujours aussi sérieux. Voilà, on le connaît, on n'est pas surpris. Maintenant, si on voulait, on pourrait parler de lui à chacun de nos matchs. Le prochain match Meyrin, la semaine prochaine, pour la revanche. Donc ce sera dans un autre contexte, puisque ce sera le premier tour de qualification des Coupes de Suisse. Donc la Coupe de Suisse, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici à Vevey depuis 2 saisons. Donc on va essayer de se qualifier dès la semaine prochaine face à Meyrin. Christian Gomis, bonjour. Assez dur pour vous, hein. Vous avez perdu un ami, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez dire un mot, puis on donne les condoléances à la famille aussi. Bonjour. Oui, j'ai perdu un ami cette semaine, la semaine samedi passé, dans une rixe à Lausanne. C'est un moment dur, mais voilà, faut aller de l'avant. Je pense que lui, il aurait aimé que j'aille de l'avant, que je fasse les choses de la meilleure des manières, de réussir pour lui aussi, et c'est ce que j'essaye de faire. Comment ça s'est passé aujourd'hui, votre journée? Ouais, c'est une journée où j'essaie de rester fort. Je me lève le matin, je me dis aujourd'hui il y a match, j'essaie de rester fort. Et même si des fois j'ai l'esprit ailleurs, j'essaie de rester concentré et je l'ai fait de la meilleure des manières. Quoi. Comment vous sentez actuellement sur le terrain? On sent un peu de crispation, on sent une bonne demi-heure, puis tout d'un coup on se crispe, on marque, on se crispe. C'est un peu votre avis là sur le terrain, en étant sur le terrain? Oui, c'est un peu mon avis. Après, voilà, ça se passe pas comme prévu. Madjid s'est blessé à la 30e minute, il sort, on doit faire des changements. C'est vrai que même si c'est juste un changement, ça peut changer beaucoup de choses, même dans la dynamique de l'équipe et tout. Et puis, c'est la vie que j'ai un peu. Alors on peut adresser nous toutes nos condoléances à la famille. Ouais, j'ai adressé les condoléances à ma maman, à tous ses frères, à tous mes amis proches aussi, des Vadi. Et c'était une bonne personne, au grand cœur vraiment. Si aujourd'hui je pense que je suis là, c'est grâce à lui. Quand j'étais allé à Xamax, quand je venais d'arriver en Espagne, c'est lui qui m'avait écrit la lettre pour aller faire les tests. Du coup, franchement, je lui dois beaucoup. Et franchement, je pense que je me dois de réussir pour lui.